Les forces vives de la région du Centre-Est ont reçu des éclairages sur le plan national de développement économique et social. Des éclairages fournis par le Premier ministre Paul Kabatsieba. L'occasion était belle pour les représentants des couches sociales de la région de soumettre leurs préoccupations au chef du gouvernement. La rentrée scolaire est effective à Nagaré dans l'est du Burkina. La localité s'était illustrée négativement au cours de l'année scolaire passée à travers des violences. Conséquence, plus de 40 élèves incriminés ont été exclus de l'école. Et c'est justement pour éviter des situations comme celle de Nagaré que le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation organise à partir de lundi prochain une activité dénommée Semaine scolaire d'éducation à la citoyenneté. Nous en saurons davantage avec le premier responsable de ce ministère, le ministre Jean-Martin Koulibaly sera l'invité de ce 20h. L'organisation des prix Galien est au centre d'un séminaire qui se tient à Kourougou. Le comité d'organisation des Galien et des professionnels des médias réfléchissent sur comment améliorer ce concours, un concours qui a lieu au Burkina depuis 1997. Bonsoir, merci de nous suivre. Toutes nos excuses pour ce faux départ. Tout d'abord, retour sur le voyage du président du Faso au Vatican. La délégation qui a accompagné le chef de l'État était composée, entre autres, de représentants des confessions religieuses. Une façon de traduire le dialogue interreligieux qui existe au Burkina Faso. Les représentants de ces communautés religieuses ont fait leur lecture de cette visite du chef de l'État au Vatican. On les entend dans ce reportage de Yacouba Gamene et Marguerite Douaniou. Elles sont trois les communautés religieuses représentées à ce voyage présidentiel au Vatican. En tant que composante de la communauté burkinabé, on ne pourrait pas se mettre en marge de cette mission qui, on le rappelle, est pour présenter le Burkina dans toutes ses composantes. Une frange importante telle que ma communauté, qui est la communauté musulmane, ne pouvait donc pas se mettre en la main. Il fallait être solidaire, surtout en ces moments où on vient de traverser un certain nombre d'épreuves. Il faut montrer aux yeux du monde qu'on reste soudé et solidaire. Et ensuite, il y a aussi le fait que nous voulons traduire notre disponibilité pour la construction d'une nation où il y a l'entente et la coexistence intelligente et pacifique entre les différentes franges de la communauté nationale. La chefferie traditionnelle est le socle qui permet au Burkina Faso de promouvoir le vivre ensemble selon les us et coutumes qui, pour la plupart du temps, sont dans la dynamique de la tolérance et de la paix. La tradition est une valeur indéniable au Burkina et le pape François encourage cet état d'esprit qu'est le dialogue interreligieux. Notre présence ici est le symbole d'une richesse que le Burkina Faso possède et qu'il faut absolument cultiver, qui est la tolérance, la compréhension, l'interpénétration même entre les différentes communautés, qu'elles soient traditionnelles ou religieuses. C'est un soubassement de paix sociale et la visite de ce matin nous a permis de nous rendre compte à quel point le pape lui-même est attaché à cette culture de tolérance. C'est un exemple de cohésion, un exemple de vivre ensemble, un exemple de paix, de réconciliation et que nous sommes en train de traduire. Comme vous le savez, le Burkina Faso a traversé une crise et cette crise n'est pas encore finie. Et avec ce qui s'est passé, ça va montrer aux yeux de tous les Burkinabés qu'en fait, et il faut que nous travaillions main dans la main et tout le monde ensemble. Voilà, les confessions religieuses, nous sommes tous pour la paix, pour la cohésion sociale, pour l'harmonie, pour le vivre et le vivre ensemble. Une messe sera dite ce vendredi 21 octobre au Vatican pour le Burkina Faso. Le gouvernement poursuit sa tournée d'explication du plan national de développement économique et social. Hier, c'était au tour des forces vives de la région du Centre-Est de prendre connaissance de ce nouveau référentiel de développement du Burkina Faso. Et comme d'habitude, la séance d'explication a été assurée par le Premier ministre Paul Kabatsieba. Mais c'était aussi l'occasion pour les forces vives du Centre-Est de soumettre leurs préoccupations au chef du gouvernement. Plus de précisions avec Adama Guiti et Bouma Ernest Nibi. Les forces vives de la région du Centre-Est connaissent maintenant tout du plan national de développement économique et social PNDS.
Le chef du gouvernement, Paul Kaba-Tieba, est allé à Tinkodogo leur expliquer ce nouveau référentiel de développement qui tient à cœur le président du Faso Rock, Marc Siankabouré. On peut même aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, expliquer à quelqu'un ce que c'est que le PNDS. À partir du moment où on a abordé les échanges avec le Premier ministre. C'est vraiment un programme qui va nous accompagner le Burkina Faso réellement à sortir même de la pauvreté. Les grands axes du PNDS, son importance ainsi que la mobilisation des moyens pour sa mise en œuvre prochaine, Paul Kaba-Tieba n'a laissé aucun détail. Avant de santé, il faut faire en sorte que les infrastructures sanitaires. Aucun Burkinabé ne doit être séparé d'un centre de santé de plus de 5 km. Et le troisième axe du PNDS, c'est réussir la transformation structurelle de l'économie nationale. Ça veut dire simplement que notre administration, on doit faire en sorte qu'elle soit plus efficace. Après son exposé, il s'est prêté aux questions des participants. Des participants qui en ont profité pour lui soumettre un certain nombre de difficultés qui vivent au quotidien les populations de la région. Des difficultés parmi lesquelles la rupture des médicaments dans les formations sanitaires. Il se pose des problèmes un peu de dysfonctionnement au niveau de la campagne depuis quelques mois. Entre le ministre et le directeur général, qui font qu'il ne se parle plus. C'est ça qui a la logique du problème. Aux forces vives du centre-est, Paul Kaba-Tieba a demandé de participer activement à la mise en œuvre du PNDS et de faire confiance au gouvernement. Hier, à l'Assemblée nationale, le gouvernement a été interpellé sur plusieurs questions. Au nom des préoccupations des députés, le blanchiment d'argent, la gestion des péages et les insuffisances constatées dans l'application de la loi 081. Et pour répondre aux questions des députés, le gouvernement a été représenté par la ministre en charge de l'économie et celui en charge de la fonction publique. Le point de la plénière avec Nongba Koura, Vincent Tendrebego et Omar Zombri. Cinq préoccupations ont fait l'objet de questions-réponses entre l'Assemblée nationale et le gouvernement. C'est le cas des soupçons de blanchiment des 86 milliards de francs CFA relevés par la Cellule nationale de traitement des informations financières et l'état actuel des 27 rapports d'enquête soumis au procureur du Faso en vue des poursuites judiciaires. En fin septembre de cette année, il y a eu déjà de nouveaux cas. Cela veut dire que le travail a été fait. Les montants en jeu sont plus importants que les 86 milliards qu'on avait donnés. On est autour de 116 milliards actuellement. Mais les dossiers sont au niveau de la justice. Certains des dossiers ont déjà été instruits. Il y a eu des non-lieux pour certains des dossiers. Cela veut dire effectivement que les personnes étaient innocentes. Mais pour d'autres dossiers, ils suivent leur cours. La ministre de l'Économie a également été interpellée sur la question de la concession des gestions des péages, objet de protestation des agents concernés. Nous sommes en train de trouver la solution. Il y a déjà un fonds spécial routier deuxième génération qui a été mis en place par le gouvernement. Et fonds spécial routier va permettre effectivement de gérer les ressources du péage, en fait de gérer l'entretien routier de façon générale, que ce soit en ressources ou en dépenses. Dans l'application de la loi 081, une forme d'injustice a été relevée par les députés dans le passage de la catégorie A1 à la catégorie P. Une injustice reconnue par le ministre concerné. On va reconvoquer la structure qui a réfléchi à tout ça et on va lui soumettre la question. Elle va certainement réfléchir pour nous faire des propositions concrètes afin que cette question puisse trouver une solution acceptable. Les députés ont aussi appelé le gouvernement à la vigilance dans les partenariats publics-privés et Rosine Koulibaly de rassurer que des précautions sont prises pour des partenariats profitables à l'État. Les élections consulaires à la Chambre de commerce et de l'industrie du Burkina Faso sont prévues pour le 13 novembre prochain. Mais que de polémiques autour de l'organisation de ces élections. Et cette fois, ce sont les acteurs du petit commerce réunis en groupement qui donnent de la voix pour dénoncer des manquements liés à ces élections. Plus de précisions avec Issac Ouédraogo et Ismaël Diloma Sirima. Mobilisés au sein de leur association, les acteurs des petits commerces veulent qu'on tienne compte de leurs revendications pour les élections consulaires et aussi pour l'organisation de la Chambre de commerce et d'industrie. Ils demandent au ministère en charge du commerce de revoir la répartition des sièges destinés aux petits commerces afin qu'elle soit plus représentative.
au niveau du centre de répartition des chaises, nous ne pouvons pas accepter qu'il y a deux chaises qui vont être représentées. Ce n'est pas raisonnable. C'est pas raisonnable. Quand vous regardez quelqu'un qui part à Lomé, qui amène des marchandises, et l'autre là, il prend les marchandises avec lui. Et c'est lui-là qui vient prendre les marchandises avec lui-là qui va venir le représenter au niveau de la chambre de commerce pour le défendre. Il connaît quel problème? Il ne connaît pas. Le groupement des acteurs de petit commerce exige également que la jeunesse soit bien représentée au sein de la chambre de commerce et d'industrie. Il réclame aussi que l'âge limite des élus consulaires soit plafonné à 65 ans. Nous allons toujours concerter et essayer de négocier. Et on va prendre cette démarche-là pour aller jusqu'au 13, là, comment ça va donner. Et si ça ne donne pas, nous ne sommes pas prêts pour, nous allons dire, demander tous nos participants de se retirer. À côté de ces revendications, les acteurs des petits commerces demandent un audit ou une enquête parlementaire de la Chambre de commerce et d'industrie pour les trois dernières mandatures. Autre point de l'actualité, le manque de locaux pour les administrations publiques et les écoles supérieures devrait être résolu dans un proche avenir au Burkina Faso. Le gouvernement envisage à cet effet la réalisation de maisons préfabriquées. Le projet sera réalisé en partenariat avec une entreprise américaine. Et ce projet a fait l'objet d'échanges entre le Premier ministre et les acteurs concernés par sa mise en œuvre. Amadou Ilboudo, Vincent Tenderbogo et Monkouna Dabiri. Séance de travail entre le Premier ministre et des acteurs impliqués dans le projet de maison préfabriquée. Il s'agit de la construction de bâtiments à partir de matériaux conçus à cet effet. Avec le Premier ministre Paul Kabatieba, les parties prenantes font le point et reçoivent des instructions. Et c'est le génie militaire qui est chargé d'exécuter les travaux. Il a été commandé par le gouvernement en 2014. Maintenant, il s'agit de la phase de mise en pratique de cet équipement, qui doit permettre de réaliser un certain nombre d'ouvrages dans la rapidité, en gagnant des délais et en gagnant en termes de coûts. Ça peut concerner tout le monde, hein, le ministère de l'Habitat, le ministère de la Défense, le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation, bon, tous ceux qui ont une utilisation massive de locaux administratifs ou à usage d'habitation peuvent être concernés. Avec ce projet, le manque de locaux pour certains services publics pourra trouver une réponse. C'est le cas des écoles sous paillotes ou encore des centres de santé. Une entreprise américaine va fournir les matériaux, mais pour l'heure, aucune date n'est prévue pour le démarrage des travaux. La rentrée scolaire est effective à l'école primaire publique et au collège de Nagari dans l'est du Burkina Faso. La localité s'était illustrée négativement au cours de l'année scolaire passée à travers des violences. Conséquence, plus de 40 élèves incriminés sont exclus avec la mention « blâme » sur les documents scolaires. Cette année, engagement a été pris par les parents d'élèves pour éviter la violence scolaire dans cette localité. Plus de précisions avec Nestor Yougbaré et Mamadou Ba. C'est l'heure de la pause de midi à l'école primaire publique de Nagari dans la commune de Logobou. Au milieu de la cour, le mât du drapeau a retrouvé sa place. C'est la même ambiance de rentrée scolaire qui règne au CEG. Pour ramener la sérénité dans cet établissement, 41 élèves, tous des garçons, des classes de 3e, 4e et 5e, incriminés dans les violences, ont été exclus avec une mention blâme sur leurs documents scolaires. Un retour de la sérénité qui permet à Banyua Woba, professeur de mathématiques et de physique-chimie, fraîchement sorti de l'Institut des sciences, de se présenter à ses élèves. Ce matin, c'est une prise de contact. Je lui ai donné l'emploi de temps et à l'issue de l'emploi de temps, je lui ai donné le programme. Et à partir du programme, maintenant, je suis en train maintenant de les expliquer par chapitre. Chaque chapitre de quoi ça concerne. Et à l'issue maintenant de ça, prochaine séance, on va débuter les cours. Au primaire comme au secondaire, l'équipe enseignante a été renouvelée à 100%. Siriki Traoré, Théodore Sangaré et Lamoussi Émile Yameogo font leur premier pas dans l'enseignement. Quand je suis venu pour les tirages à Fara, une fois quand j'ai tiré, j'ai vu Seb de Logobou 1. École primaire publique de Nagari. Alors que, bon, étant à Bobo même j'ai suivi à la télé la situation qui s'est passée ici l'année passée. Vraiment, j'étais totalement découragé. Il fallait faire une nuit blanche même sans pouvoir dormir.
Grâce à l'implication des différents acteurs de l'éducation, les enseignants retrouvent peu à peu la confiance. Quand je suis venu d'abord, ce qui a été, ce qui a changé au CG, premièrement d'abord, il n'y avait pas le drapeau. Il y a eu le drapeau. Ensuite, l'accueil des élèves, je pense que c'est favorable pour le moment. Au niveau du domicile, je suis venu trouver qu'ils ont arrangé tout a été bien préparé. Même la devanture, je suis venu trouver que tout a été fait. Ils ont déjà nettoyé tout et puis attendre maintenant. Pour le moment, tout va bien. Là, on est venu, les parents aussi viennent nous dire bonjour, bonsoir. Et la paix est toujours, en tout cas, à notre côté. Et en tout cas, nos encadreurs pédagogiques aussi nous soutiennent moralement. Les parents d'élèves du primaire et du secondaire ont décidé désormais de parler le même langage. Des assemblées générales conjointes seront régulièrement tenues afin que plus jamais Nagaré ne connaisse de violence en milieu scolaire. Et voilà qui nous amène à la page entretien de ce journal. Nous recevons M. le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, M. Jean-Martin Koulibaly. Bonsoir, M. le ministre. Bonsoir, madame. Alors, vous êtes là pour parler de la semaine scolaire d'éducation à la citoyenneté. Mais tout d'abord, une réaction à la suite de ce reportage sur la reprise des cours à Nagaré. Je voudrais d'abord me féliciter vraiment de ce que j'ai vu et entendu à travers votre reportage. Vous féliciter aussi d'être allé voir. Il est important de donner à voir aussi les trains qui arrivent à l'heure. Je félicite les acteurs. Tous mes encouragements aux nouveaux enseignants qui sont là-bas pour relever le défi que nous leur avons confié. Et saluer aussi l'abnégation des parents qui se sont engagés à ce que de tels événements ne se reproduisent plus chez eux. Il est important de le souligner. Et lorsque nous avions décidé de la fermeture, il y avait beaucoup de voix qui voulaient que ça soit fermé pour très longtemps et tout. Là, ce que nous voyons nous donne raison d'avoir juste suspendu pour permettre aux acteurs de répondre de leurs actes et ne pas pénaliser de façon globale l'ensemble des élèves qui fréquentent ces deux établissements. Alors, Monsieur le ministre, comme je le disais, vous êtes là pour nous parler de la semaine scolaire d'éducation à la citoyenneté. Mm-hmm. De quoi il s'agit exactement? C'est en lien avec le reportage que nous venons de voir. L'année scolaire passée a été quand même marquée par un certain nombre d'événements de ce type. Nous avons souhaité, en plus de l'introduction du programme sur le civisme au poste primaire et au secondaire, animer un certain nombre d'activités de façon perlée tout au long de cette année scolaire. Et cela commence par cette semaine scolaire d'éducation à la citoyenneté que nous avons placée sous le parrainage de Sa Majesté le Moro Naba Bango, que je saisis l'occasion, enfin, dont je saisis votre micro pour remercier sincèrement pour sa clairvoyance et pour avoir accepté donc que nous placions cette semaine sous son autorité morale. D'accord. Et quel sera le message principal qui sera transmis au cours de cette semaine et qui sont vos cibles? Le thème, c'est École burkinabé et incivisme. Quelle contribution des acteurs de l'éducation pour une promotion du civisme et de la citoyenneté en milieu scolaire? Les cibles, c'est bien sûr les élèves, mais c'est aussi les enseignants, les parents et de façon globale la communauté tout entière burkinabé. Parce que comme je le dis souvent, cette question de l'incivisme, elle n'est pas seulement du ressort de l'école, c'est aussi de toute la communauté afin que nous puissions vraiment progresser là-dessus. Ce qui est envisagé, c'est d'abord un lancement officiel demain, sous le parrainage, comme je l'ai dit, de Sa Majesté le Moro Naba Bango. Ensuite, nous aurons tout au long de la semaine, donc le 25, une conférence sur civisme et citoyenneté dans 5 lycées simultanément à Ouagadougou. Ensuite, nous aurons le 26 à 15h un panel sur civisme et citoyenneté à l'université Ouaga 1 Joseph Kizerbo.
Et puis nous aurons également une émission de débat à la télé, à la radio, dont la date n'est pas encore fixée. Et je voudrais souligner que ça va se passer sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons invité les directeurs régionaux, les directeurs provinciaux à voir avec les chefs d'établissement, que ce soit les responsables de CEG ou de lycée, à organiser une semaine avec des activités donc, autour du civisme et de la citoyenneté. Alors justement, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'il y a des établissements qui sont particulièrement ciblés? Non, pas spécifiquement, mais sur Ouaga, par exemple, pour marquer le coup, nous avons effectivement ciblé des établissements comme le Zenda, parce que vous savez que sur Ouaga, c'est l'établissement où nous avons le plus grand nombre d'élèves, mais il y a 4 autres établissements où la semaine va avoir aussi des activités. Comme je l'ai dit, le 25 à 15 heures, nous aurons dans ces 5 établissements choisis sur Ouaga, de façon simultanée, une conférence sur le civisme et la citoyenneté. Mais M. le ministre, est-ce que le MENA ne gagnerait pas à organiser cette semaine-là avant la rentrée pour que le message puisse être pris en compte dès que les élèves vont repartir en classe? Pourquoi maintenant? Il était important d'accueillir les élèves pour pouvoir leur passer le message. Si nous l'organisons avant la rentrée, ça veut dire que nous n'avons pas les élèves. Et ça veut dire que nous nous adressons peut-être à un public qui est occupé à autre chose. Vous savez qu'avant les vacances, bon, les enfants sont parfois en voyage ou pour ceux qui sont au niveau du village, au champ. Donc ce n'est pas tellement propice pour entendre peut-être ce message qui pour nous est un message important. Parce que sur ces dernières années, avec ce que nous avons vécu dans notre pays, de l'insurrection jusqu'à maintenant, il est important de ressouder les rangs autour des valeurs cardinales de notre société. Et c'est le sens donc de cette semaine qui, comme je l'ai dit, est un début d'un certain nombre d'activités perlées sur l'année scolaire qui vont traiter de façon importante la question du civisme et de la citoyenneté. Et justement, pour terminer, si vous avez un appel à lancer à ceux qui sont concernés par cette activité? Non, l'appel, c'est de vraiment s'adresser à tout le monde, les élèves, les parents, toute la communauté, afin que chacun, de façon individuelle, se questionne sur son comportement et comment le comportement qu'il adopte éduque à la citoyenneté, au civisme ou pas. Parce que, comme je l'ai dit, c'est une tâche de l'ensemble de la communauté et de toute la population burkinabé, sinon nous n'y arriverons pas. Merci, Monsieur le ministre. Je rappelle que nous recevions le ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, Monsieur Jean-Martin Koulibaly. Il est venu nous parler de la semaine scolaire d'éducation à la citoyenneté prévue du 24 au 30 octobre prochain. Et puis, les tout-petits seront à l'honneur à l'occasion d'un événement qui leur est dédié. Il s'agit du Salon international de l'enfant et de l'adolescent de Ouagadougou, prévu se tenir du 17 au 20 novembre prochain. Et c'est un événement qui va réunir les tout-petits et les acteurs qui interviennent pour la protection et la promotion de leurs droits. Le comité d'organisation a porté l'information à la presse hier jeudi. Plus de précisions avec Ibrahima Sombier et Nyarki Teda. Magnifier l'enfant et lui donner toute la place qu'il occupe dans la société, c'est le défi que compte relever ces hommes et femmes à travers la tenue du Salon international de l'enfant et de l'adolescent. Perçu comme une plateforme pour conscientiser les parents sur leur rôle dans le devenir de leurs enfants, le CINEA est une occasion pour sensibiliser l'ensemble des populations sur les droits et devoirs de l'enfant. Ce salon, vraiment, c'est comme on dit, c'est un plateau qui est là réservé pour tous les professionnels des enfants. Donc vous aurez à avoir affaire à des professionnels, des psychologues, des pédiatres, des nutritionnistes. Tout le panel est là réuni pour cet événement. Le salon allie exposition et séances de sensibilisation avec Village pour enfants. C'est aussi un rendez-vous pour mener des réflexions par des panels pour interpeller les gouvernants sur la problématique de la protection et de la promotion des droits de l'enfant, d'où le thème « Protection de l'enfant et bonne gouvernance, enjeux et défis ».
Par ce salon, l'Association pour le bien-être de l'enfant et de l'adolescent en Afrique s'engage à apporter son soutien nécessaire à la protection qu'il faut aux enfants et attend près de 3000 participants qui viendront d'Afrique et d'Europe. Une rencontre de dialogue intergénérationnel sur les objectifs de développement durable a eu lieu ce vendredi à Ouagadougou. L'objectif est d'établir un tandem entre générations pour l'atteinte des agendas de développement 2030 et 2063. Ce dialogue a été initié par la plateforme nationale des jeunes pour les ODD. Il a connu la participation de plusieurs jeunes et des autorités burkinabées. Le reportage de Mathias Drabo et Adama Koulibaly. Ces acteurs réunis ici discutent de l'implication des jeunes dans l'atteinte des objectifs de développement durable ODD au Burkina Faso. Ce dialogue intergénérationnel de la plateforme nationale des jeunes pour les ODD vise à mettre en relation l'expérience des aînés et l'innovation des jeunes pour conduire de nouveaux types d'actions. Établir un tandem générationnel pour l'atteinte des agendas 2030 et 2063, c'est le thème de cette rencontre. Nous proposons un modèle en trois choses, en trois points. Le premier point, c'est que les jeunes se mettent ensemble. La deuxième chose est qu'il est important que les jeunes s'étant mis ensemble fassent la jonction avec la génération d'avant nous. Le troisième élément, qui nous semble être un élément extrêmement important, c'est d'orienter la jeunesse désormais vers l'action. Ce dialogue intergénérationnel est un processus qui prévoit des espaces d'échange sur l'entrepreneuriat des jeunes au Burkina Faso. C'est un accompagnement qui va se poursuivre. Et à partir de la présidence également, d'autres initiatives pourraient voir le jour pour encourager l'entrepreneuriat jeune et permettre aux jeunes de savoir que chacun doit d'abord se comporter et se considérer comme une solution pour l'autre avant d'attendre que l'État fasse quoi que ce soit pour qui que ce soit. La plateforme nationale des jeunes pour les objectifs de développement durable regroupe 14 réseaux et associations de jeunesse. À cette cérémonie de lancement du dialogue intergénérationnel, plusieurs personnalités ont été faites ambassadeurs et conseillers de la plateforme nationale des jeunes pour les ODD. Une délégation de la Société nationale des hydrocarbures était sur le chantier de dépôt et d'embouteillage de Péni. Dans cette localité située à une trentaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso, le dépôt de la Sonabi est en construction et la délégation est donc allée constater l'état d'avancement des travaux. Et dans l'ensemble, le chantier avance normalement avec un taux d'exécution estimé à 80%. On voit cela avec Idrissa Warga et Karim Sissi. Des ouvriers en pleine séance de soudure. Nous sommes à Péni, sur le chantier de construction du dépôt de stockage et d'embouteillage de la Sonabi, Société nationale burkinabé d'hydrocarbures. Un chantier qui se dessine de jour en jour. Et en 10 mois de travaux, le taux d'exécution est estimé à 80%. On travaille du terrassement au génie civil, à la construction de la charpente, à la soudure, à la tuyauterie, au montage de la sphère, au réservoir incendie avec des nouvelles méthodes. On a monté ça avec des vérins, levage au vérin. On sous-traite très peu de choses. Du centre remplisseur à la sphère, en passant par la bac à eau, les motopompes incendie, bref, les membres du conseil d'administration de la Sonabi ont visité tous les silos du chantier. Je suis très satisfait. Comme vous savez, au mois de juin 2015, nous étions là pour poser la première pierre. Et vous voyez ce qui est sorti de terre. Nous renforce assez fortement, surtout quand nous savons la préoccupation majeure des populations en matière de gaz butane. Nous sommes très heureux de voir ça. C'est toujours un plaisir de voter un budget et de venir concrètement sur le terrain. Trouver que ce que vous avez mis comme moyen se réalise concrètement sur le terrain. Vous-même, vous avez pu constater, les travaux sont très bien avancés. Et vraiment, nous sommes satisfaits. L'entreprise en charge des travaux promet livrer l'ouvrage avant la fin de l'année. Les premières bouteilles sont attendues en mars 2017. Actualité dans le monde des médias, l'organisation des prix Galien est au centre d'un séminaire qui se tient à Koudougou. Le comité d'organisation des Galien et les professionnels des médias réfléchissent sur comment améliorer ce concours au Burkina Faso depuis 1997. Le reportage de Mokhtar Ouedraogo et Mounira Kéri. Après 19 ans d'existence des prix Galien, le concours qui récompense les meilleures œuvres journalistiques, le bilan fait état d'acquis mais aussi d'insuffisances, tant dans l'organisation que dans la qualité des œuvres en compétition.
Et pour donner une nouvelle orientation au concours, les cadres du ministère en charge de la communication et les acteurs des organisations professionnelles des médias réfléchissent pour trouver la bonne formule. Il y a des insuffisances que nous avons constatées. Il y a également les différents genres en compétition. Il y a certains qui ne sont pas très nets. Bref, dans l'ensemble, le but, c'est de voir dans quelle mesure nous allons améliorer l'organisation du concours et également la lutte du communicateur. On a vu quand même des hommes et des femmes des médias récompensés pour le travail bien fait. Et ça a permis à ces journalistes-là de se positionner sur le plan international avec plus de professionnalisme. Je pense qu'on peut être satisfait de ce qui s'est passé depuis fort longtemps. En juin 2017 sera célébré le 20e anniversaire du concours, un événement que le comité d'organisation compte marquer d'une pierre blanche. Ça va être grandiose. Nous allons magnifier l'excellence au sein des métiers de la communication. Comme j'ai l'habitude de le dire, généralement nous magnifions les autres et nous nous oublions nous-mêmes. Donc il est temps que nous aussi nous puissions nous mettre en lumière à travers l'historique. On va faire également un film documentaire. Bref. Faut-il, oui ou non, maintenir tous les genres journalistiques dans la compétition? Faut-il augmenter le nombre de langues nationales? Ou faut-il encore revoir en hausse la cagnotte qui est de 500 000 francs CFA? Ce sont entre autres questions qui trouveront réponse au cours de ces 72 heures de séminaire. Et puis, Lord Sawadogo de la région Légende de Ouagadougou est la meilleure journaliste burkinabé édition 2016. Elle remporte ce prix pour la deuxième fois consécutive et reçoit 1 million de francs CFA et une bourse de formation. La cérémonie de remise de ce prix a eu lieu en marge de la Journée nationale de la liberté de presse célébrée le 20 octobre de chaque année. Nongba Kouda et Omar Zombri. Pour la deuxième fois consécutive, Laure Sawadogo de la Radio Légende de Ouagadougou brandit le trophée de la meilleure journaliste burkinabé. Elle remporte ce prix grâce à une interview réalisée avec un couple dont la femme séronégative et l'homme séropositif partagent 18 années de vie commune. Une œuvre diffusée le 15 avril 2016. Moi, je m'intéresse beaucoup au vécu des gens qui sont parfois dans l'ombre et qui font un travail remarquable. Je remercie le centre de presse Norbert Zango pour l'encouragement à l'excellence féminine. Je remercie aussi le jury pour avoir porté de l'intérêt à mon œuvre aussi. 38 candidates étaient en compétition. La première lauréate reçoit une enveloppe d'1 million de francs CFA, un trophée et une bourse d'1 mois de formation offerte par Wallonie-Bruxelles. Deux prix spéciaux d'encouragement de 400 000 francs ont été également décernés à Mariam Ouedraogo des éditions Sidoya et à Ebou Mariam Bayala de l'Observateur Palga. Et puis en sport, la capitale burkinabé abrite depuis hier le championnat d'Afrique de handball. Il s'agit de la 38e édition de la fête du handball africain qui va se tenir jusqu'au 30 octobre prochain. En marche d'ouverture, l'AS Douane du Burkina s'est incliné devant la jeunesse sportive de Kinshasa. Retour sur les temps forts de cette opposition avec Bangba David à Kafando. Le Burkina Faso, pays hôte du 38e championnat d'Afrique des clubs champions, accueille la crème du handball africain. 12 pays ont répondu présents au rendez-vous de Ouagadougou. Ce sont au total 20 équipes qui prennent part à la compétition, soit 11 équipes masculines et 9 féminines. Le premier match du tournoi a opposé l'AS Douane du Burkina Faso à la GSK de la République démocratique du Congo. Mauvaise entame des douaniers, dominé dès la première mi-temps. La jeunesse sportive de Kinshasa mène à la pause sur le score de 13 à 10. Les Burkinabés pêchent dans le repli défensif et la relance. Une aubaine mise à profit par les Congolais. Victoire de la jeunesse sportive de Kinshasa sur la note de 35 à 21, soit 14 points d'écart. Tous les matchs du 38e championnat d'Afrique des clubs champions se dérouleront au Palais des Sports de Ouara 2000. Les finales, elles, sont prévues le 30 octobre prochain. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie de la RTB.